Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 27 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Je reprends le goût au bonheur, je suis la santé parfaite. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le choix. Peut-être que vous avez une décision à prendre. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix. Alors, que ça soit un choix au point de vue sentimental, au point de vue d'une relation, ou le fait de laisser derrière vous quelque chose de familier afin de chercher de nouveaux horizons, il y a un choix à faire. Vous devez choisir. Ce choix n'est pas facile dans la situation présentement que vous vivez. Il faut bien peser le pour et le contre, n'est-ce pas, avant de faire votre choix. Ne faites pas votre choix sous la colère, ça peut être sous la colère, sous l'émotion, parce que ce ne sera pas un bon choix que vous ferez. Il faut bien peser le pour et le contre, bien réfléchir à ce que vous désirez et choisir ce qui est le mieux pour vous. Vous savez, quelquefois, il vaut mieux se mettre en retrait, faire une pause pour bien réfléchir et peut-être guérir de certaines choses. Alors, cette carte, elle peut aussi dire qu'il est peut-être temps de prendre vos distances pour casser des liens toxiques. Vous avez le choix, encore une fois. Vous seul les mettre à bord. Alors, peut-être qu'il serait bon de vous servir de cette occasion pour puiser dans votre petit cœur la force et le courage pour continuer votre chemin. Si c'est au point de vue sentimental, ce n'est pas facile. Mais faites votre choix selon la raison. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Rester dans cette situation où vous n'êtes pas heureux? Ou faire le choix de casser et d'aller de l'avant? Voilà, et aller de l'avant. N'oubliez pas que je pense que c'est hier qu'on avait le passé, donc voilà, ici on a le choix. C'est à vous à réfléchir. Et au point de vue travail, il y a un choix à faire dans le milieu professionnel. Et là, on vous demande de bien peser le pour et le contre et de bien réfléchir avant de faire votre choix. Je termine par la carte de Ho'oponopono. Et aujourd'hui, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.